préparation était bonne, je me sentais. Alors le bonnet vert, en fait, c'est quand j'étais plus jeune et que je faisais mes débuts en Coupe du Monde, c'était un petit peu les questions classiques. Ah, est-ce que vous êtes Dino Caviezel, Luca Erni, Carlo Janka? Enfin bref, on m'a confondu plus ou moins avec tous les skieurs suisses. Et je suis arrivé une fois et on nous a dit, ben voilà, ça c'est les bonnets que vous pouvez choisir pour cet hiver. Et il y avait ce bonnet vert et je me suis dit, ah ben ça risque d'être suffisamment flashy et laid pour que personne d'autre le mette. Donc je pense que peut-être si je mets ça, les gens arrêteront de me confondre avec d'autres skieurs et depuis c'est devenu un petit peu mon bonnet porte-bonheur. Alors, je ne sais pas si Daniel c'est la même idée, parce qu'il est peut-être un petit peu plus superstitieux que moi, mais en tout cas les lunettes roses c'était à la base, je sais pas, mon père il venait regarder les courses, ou ma sœur aussi, enfin ma famille quoi, il venait regarder les courses suisses. C'est vrai qu'on a tous les mêmes combis, donc tous un peu habillés de la même façon. Et méconnaissable, disons. Donc un jour, je me suis dit, bon, bah voilà, quand je suis arrivé sur POC, j'ai commandé les lunettes roses. Parce que je me suis dit, bah, comme ça, au moins, ils me reconnaîtront. Puis il n'y aura pas d'autres gars qui auront les lunettes roses. Et puis après, c'est vrai que c'est resté un peu une petite marque de fabrique. Oh, mais c'est bien, ça stretch un peu les adducteurs. Je crois que je viens de la recevoir il n'y a pas longtemps, donc je n'ai pas encore fait grand-chose. Mais il y a quand même l'entraîneur physique à payer et plusieurs choses à payer. Du coup, ça, c'est déjà bon, je ne dois plus me faire de soucis. Alors, j'ai surtout les copains qui m'ont dit que je faisais... j'ai le droit de jurer chez vous? Ils m'ont dit que je faisais chier à être là toutes les deux minutes à chaque interruption pendant les courses de ski. Mais c'est sûr que, ben voilà, même moi, des fois, quand j'entends ça, ça me fait « Ah, ben tiens, voilà, de retour !» Mais tant mieux, j'ai envie de dire. Je crois que tant mieux pour moi, tant mieux si le succès est là. Après, c'est vrai que je peux comprendre si les gens s'en lassent un petit peu. Je suis vraiment désolé. Non, alors pas du tout, hein, parce que franchement, j'estime déjà heureux de pouvoir skier. Je pense qu'actuellement, il y en a d'autres qui auraient vachement envie d'être dans nos pattes, en tout cas, enfin dans nos chaussures. Et donc moi j'adore le ski, j'ai vraiment la passion du ski et ça n'a jamais changé. J'ai jamais douté une seconde que c'était quelque chose que j'aimais pas en tout cas. Et donc c'est vrai que le slalom, j'ai aussi fait un peu de géant, mais le slalom, j'adore ça et je trouve que je suis pas encore arrivé au sommet de mes capacités. Et donc j'y travaille encore chaque jour. Mais j'ai plus ou moins 100 jours. Je suis 100 jours sur les skis par année, ouais, minimum. Et par jour, je fais peut-être en moyenne 5 manches à 50 portes. Alors 250 fois 100, plus ou moins 25 000. Non. Ça change rien. Franchement, je veux toujours bien faire et c'est moi-même qui me mets la pression. Ouais, sûr, mon grandeur, je pense qu'on sera une bonne équipe. Alors, je préfère le froid que le chaud, mais c'est vrai que, enfin, surtout en cette période où je pense qu'on a eu 3 premières Coupes du Monde où il faisait quand même chaud. Et donc pour moi qui pars un peu plus loin, disons, c'est quand même pas un avantage. On part deux fois avec un la première fois parce qu'on part en 20e et la deuxième fois parce que si on a fait une bonne manche, ben on repart en 20e. Et donc voilà, je suis content de retrouver un peu le froid. Aussi les Alpes suisses à Delbodon, la maison. Et c'est le bienvenu, mais c'est vrai que ça calme. Non, je pense pas que ce soit mon chat. Je pense que lui, ça lui passe vraiment au-dessus. Mais ouais, non, là, en tout cas, non, c'est, en tout cas, je sais, je veux pas dire, je veux dire personne, mais c'est en tout cas pas le chat.